moi, j'ai eu un mauvais, quand on n'a pas eu de mauvais encore. Peut-être il va avoir pâté pour chien là. Ah, je lui ai demandé, goûte le rouge et on va voir ce que tu vas faire. Et il va le faire juste après, quand on va voir la rivière qui va de Valbonne à Biote. On va voir s'il va rigoler. On verra, ouais. ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Pour l'instant, il fait un peu son petit malin, mais il verra. Bah, j'aime pas les réglisses et j'ai goûté les réglisses. Hein. Exprès pour vous. Hein. J'aime pas la réglisse et j'ai mangé la réglisse exprès pour vous, la famille. Et regardez où on est. L'église. On va rentrer tout à l'heure. Il y a une église, mais il n'y a pas de cimetière. C'est bizarre. Il y a un pont. Sur le pont d'Avignon. Voilà la Brague, la rivière dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui rejoint Valbonne et Biote. On va continuer ce pont. On va un peu aller plus loin. On va y continuer au sud du pont, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est bouché, hein. Je sais pas comment il fait loin encore pour passer. Moi non plus. T'as vu, regarde, elle continue encore sa main. Ça... Oui. Il y a des alligators ici ou quoi? Il doit avoir ou des piranhas ou des alligators. Non. Des piranhas ou des alligators. Ouais, les piranhas, c'est un alligator. Oh, de voilà. C'est risqué ici, mais... On retrouve. Regardez, il y a des poissons là. Regardez-moi ces poissons. Il y a des poissons là. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois des poissons. Libellules, là. Voilà, la libellule. Ouais. Elle est trop beau. La rivière. Oh, le lac. Le lac de Finesse. Regardez, je vais là. Je crains rien, t'inquiète. C'est voilà. La queue là, hein. La rivière. Regardez l'eau, comme elle est belle. L'eau. Le reflet est trop beau. Regardez, l'eau passe en dessous. Wow! Je vais montrer là-bas ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est qu'en fait, vous avez vu là, le truc au fond. Voilà, c'est absurde. On revient tout à l'heure pour le Jelly Belly deuxième partie. On a passé une barrière qui est derrière vous. Voilà. Pourquoi pas passer là pour qu'on va rejoindre le pont au lieu de se taper tout ça. Il y a un petit trou à l'église, je crois qu'on va voir quelque chose. Moi non plus, mais je te laisse faire là. Hein. Il y a un petit trou. Je sais pas si on va voir un truc. Comme un château fort. Non, c'est une grange, c'est même pas l'église. Ça, voilà. C'est. Voilà. On va continuer. Il y a un grand truc là-haut, on va regarder au barreau. C'est sûr qu'il y a des barreaux. Ouais. Je crois qu'on va voir. C'est pas une maison ce truc. Vas-y. Ça fait assez flippé. C'est un grand bâtiment mais qui est abandonné parce qu'on va pas en. Qui prendrait cette maison toute crade, hein. Vraiment. Les pauvres. Non, je sais pas. C'est une école. C'est une école, on voit les. Tu vois, on voit les. Montre. On voit les vraies lumières de l'école, tu vois. Comme. Chez vous à l'école, regardez les lumières. Là, attends, on va zoomer. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une école. Ça se voit. Voilà, vous avez vu la lumière.
ça. Regardez, vous voyez des chaises, je crois. On voit des chaises là. Voilà, il y a des chaises là. Ça fait, c'est une école abandonnée en fait. Ouais. On voit les vitres pétées là, regardez. Non, je suis pas là. Alors, on va escalader une barrière, la famille. Je sais pas si... Et moi je passe par là. Voilà. Alors, on va passer la barrière l'après-midi, ça va être dur, mais André Bourville à dedans. Hey. Maintenant, la suite, c'est par là. On est passé par là, voilà, vous avez pas vu. C'est par là, voilà. Ça, c'est un truc abandonné encore. Pareil. Il y a que des trucs abandonnés sur les Valbonnes, hein. Je vous le dis direct, hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de maison. Alors voilà, on va pas vous montrer les gens. C'est mieux. Voilà. Ni le chien. Ça fait pareil, c'est une famille. Il attrape le chien, c'est un bulldog. Oui, trop beau. On va passer par là, regardez. Je vais monter le pont. Voilà, regardez. Voilà, c'est bon. Voilà, allez, go. On va essayer de pas vous montrer les gens. Salut la famille. Coucou la famille. On est toujours à Valbonne. On est à Valbonne. D'accord. On a monté 61 marches. 61 marches. Ouais, donc on peut vous dire, on est foutus. Mais on est en pleine forme en fait. Deuxième partie du Jelly Bean Challenge. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai recraché mon premier Jelly Belly. Et Quentin va essayer de manger le rouge. On va voir ce qu'il en pense. Et j'espère qu'il va pas aimer. Alors, c'est lui. Alors, vas-y, tu peux te sentir et le montrer à notre voilà, c'est celui-là. D'abonnés. C'est dégoûtant. Voilà. Alors, tiens. Je sais pas du tout ce que ça va être. Voilà, on va voir s'il va aimer. Alors, c'est bon? Écoute, je crois que c'est un goût de cannelle. Ouais. C'est la cannelle. Mais. C'est pour ça que je recrache. Mais beaucoup plus fort. En fait. Cannelle épicée, moi j'aime bien. Et je suis celui que j'avais pas aimé. C'était égal, c'était celui-là. Regardez, je rentre à la caméra. Comme tout à l'heure, vous voyez, quand j'avais dit ça ressemble à un popcorn et tout. Voilà. On va voir s'il va aimer ça. C'est où le jeu de bébé? Voilà, le deuxième, on va voir s'il va aimer. Et je crois qu'il va aimer parce que moi j'ai un petit peu aimé. Alors. Bon. Lingette de bébé ou couche de bébé. T'as quoi? Lingette de bébé. Je reconnais pas le goût, mais bon. J'aime bien. Moi, on va refaire la vague. Après ton Jelly Belly. Voilà, je vous montre ça. J'ai vu le commentaire que de Toulon. J'ai vu que quelqu'un parlait anglais et qui a parlé à Quentin et Quentin a répondu à sa question. Ouais, j'écris un peu en anglais. Au bac, ouais, il a écrit en anglais, il a fait yes. La famille, au bac j'ai eu 14 en anglais, donc on peut dire je parle un peu anglais. Hein? Bref, on y va, on regarde. Alors on va refaire, vas-y. Je ne regarde absolument pas. Hein. Alors c'est quoi? Regarde le Jelly Belly. C'est réglisse. Moi, on va approcher. Vas-y, approche-toi. Donc. Moi aussi, je vais faire. Allez, go. C'est lui. Moi, j'ai eu. Ah oh, non. Ah, ça sent mauvais. J'ai eu ça. Le beige. Réglisse. Ouais. Et toi?
C'est tout petit fouti. Eh ben. Tout petit fouti. Bon. Tout fruit. C'est au fruit. Non mais. Oh, hop, 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 hop. Attends, les mecs ils sont coiffés de Jelly Belly. Ça, il y en a qui aiment pas le Jelly Belly, et bien lui il s'engouin. C'est joli, tu peux le montrer. S'engouin. C'est le même. Tout petit fruity. Voilà. Ou autre chose, hein, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a deux goûts comme ça. Alors, j'ai pas regardé. Hein. Alors c'est tout petit fruity, ouais. À moi. Oui. C'est ça. Voilà, c'est un bleu foncé. Ça ressemble à un noir. Je crois que. Regardez. Voilà. Moi j'ai eu ça. Un blanc. C'est bon. Celui-là, je sais pas quel goût il a. Très original. C'est quoi comme goût? Je sais pas. Il est super mignon. Ah oh c'est comme tes goûts. Ah, c'est. C'est couche de bébé. Ah bon? Oui. Eh ben. C'est la couche de bébé. Pas de chance, il est tombé sur le mauvais. On n'a pas eu encore les plus mauvais. Alors moi j'ai eu ça. Hein, le blanc, comme vous voyez là. J'ai pas fait spray, je vous promets que j'ai pas fait spray. Il vaut pas, hein. Il non. Vaut pas. J'ai ouvert la bouche sans faire spray et ma langue a dévié. Là, je peux vous dire, j'ai eu dentifrice. Pas fait spray. C'est très bon. Ah oui, c'est peut-être dentifrice que j'ai eu là. Ça sera assez mauvais. Je sais pas. Voilà. Alors, si vous voulez que je sois aux côtés de Quentin dans un prochain vlog, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé, en attendant, vous avez aimé liker et tout, voilà. Hein? Là, j'ai blanc comme vous avez pu le voir. Là, j'ai un mauvais. Sauf que lui, il ne faut pas. Ah, il est mauvais, celui-là, mais. Bubblegum. Moi, je pense que c'est ou vomi ou. Qu'avez entendu, mais. C'est quoi? Un verre. Oh. J'ai eu bubblegum, c'est hyper bon. C'est vraiment un goût vraiment de chou-noir, ça se rapproche. Jaune, non? On regarde un peu quand même les Jelly Belly. C'est normal parce que après tu vas pas. Regardez la famille. Regardez ça. Un Jelly Belly jaune. Oh non, réglisse. Non. T'es réglisse. Oui. Non, ça. Non, ça vaut pas, ça vaut pas. Il est là, là, ça va. Voilà. Je ne vais pas manger mon riz. Ça, je sais pas du tout quel goût c'est, mais c'est pas mauvais. Ah non, c'est pas réglisse. Ah si, c'est réglisse. Oh. Mais toi, tu regardes en fait. Je cherche ceux que j'ai pas encore eu. Pâté pour chien, il a. C'est pas sûr, hein, on va voir. Pâté pour chien ou chocolat? Attendez. On va vous montrer. Regardez ça. C'est celui-là. Pâté pour chien ou chocolat? Alors. Alors. C'est quoi? Pâté pour chien. Pâté pour chien. tu recraches pas aller pour les abonnés. Il va faire pour vous. Pâté pour chien. Mais c'est que j'aime bien alors. Non. Ruff, ruff. T'es un chien. Ruff, ruff. Allez. Vous voyez, j'ai pas recraché là. Hein. Non encore. Vas-y, tu... non, montre pas.
Ouais, tu vas montrer la caméra comme ça. Pâté pour chien, c'est pas mauvais. Hein. Oh, j'ai déjà eu lui. Regardez. C'est quoi le pâté pour chien? C'est lui. L'heure est venue pour moi. Voilà, le pâté pour chien. Le chocolat. Bon. De nouveau bubble gum. J'aime le réglisse, mais là, ça fait 2 heures que je mâche, là. Je vous jure, ça fait 2 heures que je mâche. Alors, j'ai pâté pour chien. Voilà. Il est trop bon. Allez. Allez. Non. Dégueulasse. Bon, la famille, c'est la deuxième partie, hein. Je vais vomir. On est mal barré. Moi, je gagne 2 points et lui 0 pour l'instant. On revient tout à l'heure. C'est facile pour lui, il est trop grand. On revient tout à l'heure et peut-être. Non, les enfants gagnent tout le temps. C'est les enfants, les enfants. Attends, les enfants. Ceux qui font des enfants. Likez. Non, tu sais, les enfants, c'est les meilleurs. Non, je rigole. C'est les plus. Dire, ouais, c'est les plus fous. Regardez, Christophe, je voulais là-dessus. Attends, ouais, le caméscope est pas assez haut là. Hein. Ouais, tant pis. On va dans l'église dont on vous a parlé. On va rentrer à l'intérieur. On peut aller à l'intérieur de cette église. Regardez l'église de Valbonne. Regardez. Salut, on est de retour. Mais qu'est-ce que t'as là? Je suis l'inventeur de Coca-Cola. Ah oui, quand même. L'inventeur du Coca à 9 ans, on peut pas. Et regardez ce que j'ai dans la main, la famille. Un Jelly Belly blanc. Quel goût ça va être, j'en veux plus. Moi, je suis à peu près 40 ans. Encore un goût bizarre. Bien sûr, je suis un petit peu sûr. Attends. On est perdu là la famille, mais il est 16h. Hein. Coca-Cola. Ouais, un Jelly Belly bleu. On va aller à notre endroit parce que là on n'est pas trop tranquille. On va aller là-bas. Allez. Parce que les enfants ils vont reprendre ça. La famille, on trempe le caméscope contre les appareils photo parce que j'ai qu'une batterie, qu'une barre de batterie, plutôt qu'une batterie, et que le caméscope ne veut pas charger. Donc, on va filmer avec l'appareil photo. Comment tu trouves la journée? On est bien ici, hein. Le robot. Voilà. Allez. On est très mal barré. Et maintenant, on va vous faire. Il va vous faire un dab spécial au Coca-Zéro. Vas-y. Dab du Coca-Zéro.
Oui, la bouteille. T'as vu que la bouteille elle est droite. Et maintenant le dab du Jelly Belly. Vu qu'il est tout petit. Bibi est tout petit. Bibi tout petit. Voilà. Bibi tout petit. Sur ce sketch que nous allons couper. Je crois que c'est vas-y. Allez, vas-y, goûte. Alors ? Et salut la famille, aujourd'hui on est dans le bus numéro 10. Maintenant Quentin va relever son défi, celui-là, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas encore eu celui-là. Ouais, on ne sait pas ce que c'est. Il va le faire pour vous les abonnés. Et pour vous, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne de Quentin 06160. Quentin 16. Je me suis trompé plusieurs fois. Je l'ai remarqué hier. En fait, le nom de cette chaîne, c'est Quentin 16. C-E-L-S-E. Quentin 16. Alors à Kinsaïman, il y en a qui se sont dit, mais non, on l'a pas trouvé et tout. En fait, c'est normal, c'est Quentin 16. Non, éclatez-vous. Viendez, suivez-moi dans mes aventures, seul ou accompagné, hein, la famille. Écrivez dans les commentaires si vous voulez que je sois encore avec Quentin pour les vidéos. Et de toute façon, on refera du vlog. Je vais encore en Avignon. Je ferai Arles, je ferai Paris bientôt, l'Alsace, et plein d'autres choses, mais avant tout, je vais manger un jelly belly, la famille. On a jamais discuté. Allez, go! 3, 2, 1. Là? Non. C'est quoi? Chocolat. Oh! Non, café. Café. Oh, mais je voudrais bien goûter. Vas-y, ouvre. Parce que moi, j'arrive pas à ouvrir. Alors, fouillé et on va plus de l'eau. C'est très bien. Et voilà. Le café est très très bon. On continuera tout à l'heure. On va voir si c'est bon. On est dans une journée géniale. On a fait pas le bon, on vous a montré un peu. On kiffe les sauterelles, les bœufs, la grande route. On termine le vlog avec vous, la famille. Bravo, merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne Quentin 16. Alors, Quentin 16, C-E-L-S-E. Si vous avez aimé ce vlog, commentez, likez. Et surtout, partagez. On revient très vite. Enfin, moi, je reviens très vite. On verra si les amis... Dites-vous dans les commentaires si vous voulez que je sois encore dans ces vidéos. Et j'espère que le Jelly Belly Challenge vous a plu parce que nous, on a adoré. Alors, dites-nous ce que vous avez préféré dans la vidéo. Que ce soit en kiff, l'album, le Jelly Belly Challenge à Balbon. La brague, on vous fait de gros bisous et on vous adore la famille. Allez, bisous, bisous, ciao la famille.